Une dauphine de 1961. Ouh! Et la voilà qui arrive. Oui, c'est vrai. Le moteur ici, il est derrière, hein? Il n'est pas devant. Oui. Je vais te montrer le moteur, comme ça tu le vois. On ne fait plus ça, hein? Le jour d'aujourd'hui, les voitures avec le moteur à l'arrière, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Ça, c'est le petit moteur qu'il y a dedans. Voilà. C'est un moteur avec 848 cm3. Donc c'est très petit, hein. Ça fait 300 cm3 presque en moins que le tien. Mmh. Et donc sur autoroute, on allait à 1090. D'origine, ça. Mm-hmm. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Pour éviter que la chauffe. Le moteur est à l'arrière et le coffre est à l'avant. Alors, déjà, il doit ouvrir le coffre par l'intérieur, en fait. Il ouvre. Je vais montrer la roue de réserve parce que ça, faut savoir ça, où elle est. Chez Renault, ils ont mis la roue de réserve ici en dessous. Je vais te montrer ça, tu vois pas, ça va tomber vers là-bas. Voilà, tu vois. La roue de réserve se trouve dans l'avant de la voiture. Et ça ne prend pas de place dans le coffre. Parce que dans la vieille voiture, ça prenait beaucoup de place. Et ici, quand tu es dans le coffre, c'est quand même assez grand. Voilà, la place qu'il y a dans le coffre. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Je prends toujours un peu de matériel avec moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec une vieille voiture. Mais le coffre est assez grand. Super. Et c'est encore une voiture à prix. Alors, on tourne la clé. Et voilà. Oula. Ça va aller? Ouais, ça va. Bon, on part tout droit? Oui, oui, oui. Ok. Et la première n'est pas synchronisée, donc pour mettre la voiture en première vitesse, il faut que je sois à l'arrêt. Autrement, si je tire, je casse la bonne vitesse. Tout droit, Jean-Michel? Ouais. Oui, ici, je suis toujours en deuxième. Donc c'est 1, 2, 3. Et la marche arrière, c'est comme ça. Maintenant, je suis toujours en deuxième. Mais c'est sur la très longue vitesse. Hein. En deuxième, je sais faire à peu près 70, 75. Mmh. Ah oui, oui, d'accord. La lumière est très bonne. Pour l'image. Pas de radio, j'imagine. Il n'y a pas de radio. Ah, ici, il n'y a pas de radio. Hein. C'est encore une voiture 6 volts. Il n'y a même pas de plomb dans cette voiture. Il n'y a qu'un plomb, c'est pour le phare anti-brouillard derrière, c'est tout. Il n'y a rien comme électricité pratiquement ici dedans. Donc on prend à gauche, Vavre. On fait demi-tour ou quand même ouais. Non, on peut continuer. Ouais. Hein. Par là ouais. Par là. Par là. Faut passer en dessous du pont ou pas en dessous du pont? En dessous du pont, on peut passer. Qu'on voit. Ah non, ça vient à gauche aussi, je vais voir ça.
juste un petit caoutchouc ici pour pas blesser les genoux. Mais ça, ça n'a aucune utilité. C'est une publicité de ça à l'époque. Mmh. Et c'était sécurisant. Mmh. Il n'y a même pas de airbag. Oh non, non. Non, non, bon toi. Oui. Bon, je dois mettre ça. Oui. On va rouler. Vous voyez Martin, on est à la partie. Oui. Et par où on va ici, Servet? Tu peux aller vers là. Tout droit? Tout droit. J'avais vu la plaque là, c'est quoi? Le centre William et Nocta, centre de revalidation. Ah, j'ai entendu parler de ça. Ici à droite? En demi-tour. Ouh. Au droit et puis on va à droite. Par là? Oui. Pas par là, hein? Pas par là. C'est un chemin sans issue, hein? Avec André Delval, moi j'ai fait venir avec André Delval. Mais oui, ça me dit ce petit chemin. Ici à l'intérieur, je suis devenu avec André Delval. C'est un des clubs, hein, chez nous. Hein. André, ben, il habite ici à Rixensin, il habite. Rue du Blanc, ah bah oui. C'est la même rue que Martin. Ici. Oui. C'est la prolongation, en fait, de sa rue à l'autre. Oui. Elle bouge pas, c'est Lady Surf, hein. Qu'est-ce que tu lui fais? Elle est confortable. Ouais, hein. Bon, c'est pas une voiture récente, hein. Et derrière, elle est confortable. Ah ben oui, c'est un peu court pour les grandes jambes. Oui, ça oui, ça je m'en doute. Et maintenant, hein, Martin, on va par où, hein? Par là. Par là? Oui. Dans les voies ici, hein? Oui. Il y a un monastère plus loin aussi. Ah mais on peut pas. Ah mais oui, moi j'ai fait. Mais on va par là et on revient par là. Ça, ouais. Et attends, je vois avec qui je suis venu ici, moi. Moi j'ai mis de l'asphalte ici il y a des années. Oh mon Dieu, dans les années 90, moi j'ai mis de l'asphalte là-bas quelque part. Il y a un gros bâtiment là quelque part. Oui. Il y a un monastère et il y a un William Lennox, le centre de l'organisation. Je devais venir à mon camion par ici. On a un camion avec une rue. Je me rappelle que j'ai cherché, si vous trouvez ça ici. Ah, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, hein, garçon. C'était avec une carte de Belgique qu'il fallait se démerder, hein. Ça monte, hein, ici. On sent, hein, les 848 centimètres cubes. Deuxième. C'est cool, hein. Ah oui, ben c'est en deuxième, hein, je le tirais à son nez, c'est par là-bas, on veut descendre tantôt. Ouais. Mais oui, toi.
et là-bas à gauche, il y a les trucs là. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Ouais. Maintenant, comme ça, c'est en arrière, tu vois. Ça, c'est en arrière. Moi, j'ai rien. Et ben voilà, et maintenant, voilà, je vais mettre en premier. Voilà. Le klaxon. Ah, j'ai un chouette klaxon. J'ai le klaxon pour la ville et le klaxon pour l'autoroute. Je vais te laisser entendre le klaxon de ville. Ça fait pas beaucoup de bruit. T'entends? Oui. C'est pas fort, hein? On dirait qu'il a un gros rhume, hein? Oui. Alors tu as pour l'autoroute, ça évidemment c'est beaucoup plus fort. C'est comme ça alors. C'est d'avoir deux versions de klaxon. Deux versions de klaxon ici. Non, 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 ça n'existe plus depuis longtemps, ça. Oui, oui, oui. Monastère. C'est chouette ces routes dans ces bois comme ça, mais j'aime bien. Monastère, Saint-André. C'est encore un bon poumon de respiration, ça, ici. Je me demande s'il n'y a pas des champignons de bois, ici, dedans. Et t'as combien d'autres ancêtres? Je vais te les montrer en photo. J'ai encore une Opel Kadett de 1975 et j'ai encore une DAF 66 de 1976. Une date 66 et 76, c'est ça. Si tu veux, je viens une fois avec une autre, hein? Oui. Avec laquelle tu veux que je vienne? C'est deux voitures automatiques, hein? Sans vitesse, donc automatique, c'est plus facile, évidemment, pour rouler avec, hein? Faut pas changer de vitesse, alors, hein? Quand on peut le faire, mais... Oh, moi ça m'est égal, tu sais, moi, j'ai toujours le temps de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On roule encore ou on s'arrête? On roule encore, on peut s'arrêter, on peut s'arrêter, on peut s'arrêter. T'as vu ça? Je prends. Ah oui. Ah ouais, je filme. Ah, tu veux pas me voir. Ça, c'est la manivelle, hein? Tu vois la manivelle, hein? Oui. Bon. Ça va être obligé de coffre. Donc, je mets la manivelle liée dedans. Voilà. Je vais tourner un petit coup pour la mettre en pression. C'est dur, hein? Il y a la pression aussi. Oh, c'est dur. Et voilà. Tu vois qu'elle tourne, Thank you.
deux klaxons. Hein. Yeah.